911, what's your emergency? Salut, bienvenue sur 91 Imperator, je m'appelle Benjamin Cruz, nous sommes sur la version 1.23.06, c'est toujours les mêmes 4++, les mêmes 4 DLC, et surtout, nous sommes sur l'épisode 99, c'est-à-dire que c'est le dernier de l'année, et donc le premier de l'année, vous l'avez compris, ce sera l'épisode 100. Et je sais toujours pas ce que je vais faire, je voudrais faire quelque chose de spécial pour l'épisode 100, je sais toujours pas quoi. Si vous avez des idées, c'est juste en dessous dans la description, allez-y, balancez, y a pas de souci. Dans l'épisode précédent, je parlais notamment qu'il y avait une mise à jour de 1,1 méga, et qu'on était toujours sur la 1.23.06, et on est toujours sur la 1.23.06, et je n'ai pas noté de mise à jour depuis. Du côté de Steam, pas vraiment de nouvelles discussions, à part quelqu'un qui se plaint comme quoi « Ouais, votre jeu est chiant !» Bah, fallait pas y jouer, fallait pas lâcher. Et sinon, du côté des mods, j'ai remarqué qu'il y a pas mal de mods parmi les plus récents, il y a plusieurs mods qui sont coréens. Donc, ça voudrait dire que le jeu commence un petit peu à cartonner en Corée du Sud, parce qu'il y a 2, 3, 4, 5 mods qui sont à la suite coréens, et c'est plutôt pas mal, je trouve, d'avoir le jeu qui s'exporte vraiment loin. Je rappelle que pendant ce temps, du côté de Jutsu Games, ils continuent à travailler sur la suite, et la suite, ce sera 112 Operator. Et la grosse surprise, c'est que c'est une suite. Je l'ai déjà dit, j'aurais voulu que ce soit un petit peu comme ETS et ATS, deux jeux qui sont un côté américain, l'autre côté européen, et qui sont faits tous les deux ensemble. Et puis, bah, en fait, non, c'est vraiment une suite, donc c'est un petit peu dommage. Mais c'est pas grave, j'espère juste qu'ils continueront quand même à garder un petit peu 9 Imperator en vie, que c'est pas juste un essai en fait. 9 Imperator, ça sera un petit peu dommage parce qu'il y a quand même beaucoup de potentiel et beaucoup de choses à faire. Après, j'ai quand même hâte de voir 112 Imperator et voir ce qu'ils vont faire dedans. On est pile entre les deux fêtes, j'espère que vous en avez bien profité et que bah d'ici le week-end prochain, on remet ça. Je vais pas rester sur les trucs habituels, attention, celui qui conduit, celui au baba, machin, celui qui conduit, c'est celui qui se drogue pas, enfin bref, non, ça vous le connaissez, vous êtes grand. Certains d'entre vous êtes peut-être cons parce que vous faites quand même aussi, mais voilà, j'ai pas envie de répéter ce que tout le monde répète déjà parce que ça sert à rien de le répéter, hein. Si à force de le répéter vous comprenez toujours pas, c'est vraiment qu'il y a un souci entre vos deux oreilles, et enfin pour s'il y en a qui le comprennent pas, et si vous le comprenez tant mieux. Bref, on va pas aller plus loin, on va directement se connecter avec là. Petit rappel, si vous voyez un serpent, évitez bien entendu de ne pas l'approcher, même s'il n'est pas méchant. Si vous savez pas ce que c'est, en tout cas, n'essayez pas de l'approcher, et surtout n'essayez pas d'aspirer le venin. Ça, c'est clairement rappelé, et je suis pas sûr que le fait de mettre la main comme ça, lui dire « non, ne m'approche pas », serve à grand chose. Dans l'épisode précédent, je vous parlais aussi que à Daytona, notamment, le Père Noël était arrivé, le lieutenant Santa était arrivé en camion de pompier avec la quinte 2, et bien entendu, ce qui s'est passé à Daytona, c'est passé dans à peu près tous les services à travers les États-Unis, puisque le Père Noël est arrivé dans beaucoup de services de pompiers des États-Unis, et très souvent avec une échelle. C'est quand même plus pratique, mais sinon il arrive en camion, ou alors avec des vieux camions antiques, ça c'est vraiment super. En tout cas, bien entendu, c'est quelque chose qui se fait énormément là-bas, un peu plus là-bas qu'ici, une fois de plus, j'ai envie de dire. Et forcément, ça réveille les gamins et c'est ce qui compte. On n'a pas grand-chose à dire sur le dernier épisode, mis à part qu'on a toujours des gens qui sont blessés. Christian Howard et Theodore Allen, ils sont encore blessés. L'un à 5 jours, l'autre à 4 jours. Et puis on avait repris aussi Joseph Foster, qui avait pris... qui sera absent pour la prochaine journée. On va pas aller plus loin, on va aller regarder vite fait le pool de personnel. Le pool, il est pas trop mal pour Violet Green. C'est pas si bien que ça en fait. Ça a l'air bien sur le coup, mais en fait non. Hunter Gutierrez, pourquoi pas. On va mettre ça de côté aussi. En attendant, nous, on se déploie. Alors la dernière fois, j'avais... depuis pas cette mise à jour là, mais la précédente je crois, ou un petit peu avant en tout cas, depuis cet été avec le dernier DLC, surtout on a maintenant le service à chaque fois, les unités qui sont réparties comme on a l'habitude de les mettre. Je vais ajouter au service les deux pick-up du côté de, enfin de l'autre côté de la rivière Halifax, de façon à ce que, non c'est, voilà, c'est ça que je veux en fait, voilà, c'est pas, voilà. Merci. Les deux pick-up, je le rappelle, ne patrouillent pas, donc on peut les laisser ici, ils feront la patrouille sur la plage, ils feront la patrouille, etc. Ils sont à la base arrivés avec le DLC SAR, mais ils sont surtout là pour faire de la, enfin ils sont aussi là pour faire de la recherche. Et je pense que d'avoir deux unités de police aussi de l'autre côté de l'Halifax sur la presqu'île, c'est vraiment, vraiment pas une très mauvaise idée. Et on commence là-haut avec une fête bruyante, 4 suspects. Je pense que
On va envoyer la Kalim aussi, histoire de d'être sûr, en plus d'une autre voiture. Ça va, en théorie, c'est quelque chose qui va être simplement du contrôle et puis des amendes. On ne sait jamais, ça peut peut-être mal tourner. En attendant, on va quand même envoyer une unité en renfort, histoire d'être sûr de pouvoir maîtriser le nécessaire. Ah bah voilà, on a quelque chose ici déjà. C'est quoi? C'est quoi? C'est des gens qui sont coincés dans l'ascenseur. On a l'engin qui est juste à côté, ce sera plus facile. On a déjà un appel à faire bonjour. Quelle est votre urgence? Très bien, c'était où, monsieur? 188 Peter Road. Très bien, c'était quand? 5 minutes, très bien. Est-ce qu'il y a des blessés? Très bien, quel type de blessure a-t-il? Très bien. Bah, dites-lui d'aller courir jusqu'à l'hôpital, il est pas loin. Ok. On envoie donc les pompiers en plus. Alors, je me suis un peu rendu compte qu'à force de faire les vidéos, j'explique plus trop ce qui se passe, comme si tout le monde qui regarde avait l'habitude de regarder depuis le début. Bien entendu, c'est pas le cas, et c'est quand même pas mal de revenir un petit peu sur les bases. On va envoyer plutôt une voiture d'ici, en renfort, parce que deux suspects potentiellement armés. On va attendre avant d'envoyer l'ambulance. On va même, pour être sûr, d'envoyer l'ambulance depuis le reste de la ville. Depuis le centre-ville, ici on en est où on en est où on est où on est bon là-dessus. Donc là ici on va envoyer du monde, on va attendre avant d'envoyer le pick-up, on va attendre que la patrouille passe le pont et descende. Vandalisme, là il me faut du van par contre, le van il est équipé avec 4 bonhommes à l'intérieur. Et on va envoyer une unité supplémentaire qui va partir d'un petit peu plus loin. Alors là, c'est le van nord que j'envoie, alors que c'est le van sud que j'aurais dû avoir besoin. Donc le van sud va aller au nord tranquillement. J'ai pas envoyé le pick-up en backup. J'essaye, je rappelle, toujours d'avoir le surnombre au niveau de la police pour la sécurité de mes agents, même s'ils sont quand même bien armés maintenant. Où ça? Très bien, c'est comme ça. Ah bah c'est pas une urgence, monsieur. Sir, it isn't an emergency case. Please report the theft to your nearest police station. Voilà. Of course. Thank you for your help and sorry for blocking the line. Voilà. Quelqu'un gentil comme ça, c'est pas, c'est clairement pas le genre de personne sur qui on va critiquer. D'accord. Ok, on va envoyer peut-être une autre ambulance au cas où là, parce que ça a l'air de tourner un petit peu au vinaigre là-bas. Bon, ils l'ont arrêté, hein, mais quand même. Alors ici par contre, ça... Voilà. Ah bah c'est le chef, tiens, Jens Lesser, notre chef, donc voilà, je profite du 100e épisode pour souhaiter la bienvenue à ceux qui connaissent pas, aux nouveaux. Et puis surtout pour ceux qui connaissent pas trop le jeu, en fait, de revenir un petit peu dessus. Parce que si vous avez suivi la série depuis un petit bout, bah, vous commencez à avoir l'habitude, hein, de comment ça tourne, et peut-être même de l'habitude du jeu, de l'habitude, la vitesse à laquelle je joue, etc. Mais... C'est pas forcément évident pour tout le monde, en fait, je me rends compte. Comment sont-ils? Très bien, 104. Vous avez l'adresse? Can you give me a precise address of the incident? Il faut mon autre van. De 81 Catalina Drive. C'est... Ah, d'accord. Did you see if they had any weapons? One of them picked up some kind of club. Is anybody injured? It's hard to tell, but... C'est très con ce que je fais parce que j'envoie le SWAT juste parce que j'ai le SWAT à côté. I'm sending emergency services right now. Thank you. Bye. Une ambulance s'en vient déjà. Alors bien entendu, on va demander. Alors le van qui est là, il faut pas qu'il aille dessus. Faut pas qu'il aille dessus parce qu'il est pas du tout équipé pour. Par contre, c'est le SWAT que j'ai envoyé. Donc le SWAT va pouvoir taper sur la tronche des 4 gars qui sont en train de se taper. Et ici on est à l'aéroport, vous l'avez sûrement reconnu. Je viens d'écraser, il me faut une ambulance. L'ambulance, elle est en rousse. Je pense que dans le 100e épisode, on va essayer de faire quelque chose un petit peu spécial. Et puis on va essayer de se faire aussi un petit peu de retour aux sources. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, histoire de qu'est-ce qu'est ce jeu, comment marche le jeu, etc. Et on a la police qui le pick-up qui revient. D'accord. Where are you, ma'am? At home,
My house is at home. Okay. Did you hurt yourself, or was it someone else? He did it. Okay. Is he still there with you? He's left. Okay. Could you give me more information about the attacker? Who is he? We met once. I hardly know him. It was kind of a date. Là, il faut poser toutes les questions, là. I know that's not easy for you, but could you give me a precise description of the attacker? How does he look like? What is he wearing? Dark hair, brown eyes. He's tall and strong. Wearing a brown leather coat. Là, on est en train de rédiger un APB, là, un All Points Bulletin, sur lequel on fait un avis de recherche, clairement. Did he leave on foot or by a car? On foot. Ok, très bien. Est-ce qu'ils sont assis armés? Weapons? No, I don't think so. Très bien. Il faut que je lui pose la question sur sa blessure. I don't know. I wasn't looking. Okay. What kind of injuries do you have? He beat me, and there's blood. Ma'am, did he sexually? Faut que je pose cette question là. Là, on est devenu grave là, d'un coup là. Je pense que oui. On va pas lui demander plus. Ça, c'est une réponse qui veut tout dire. Ils sont là pour vous aider. The police officer is going to gather information and evidence, which are essential to. On est obligé d'envoyer la police de toute façon, parce qu'on est au courant, c'est notre devoir. Police officer, if that'll make it a bit easier for you, okay? I really don't know if I can handle any more questions right now. Faut pas oublier que normalement la police, ouais, il mérite une punition. Non, c'est pas une bonne idée. Il pourrait surtout, voilà. C'est surtout, c'est toujours le discours qu'on entend, c'est qu'il peut forcément s'en prendre à d'autres personnes. Voilà, ça marche toujours. Enfin, presque, malheureusement. Malheureusement, ça marche toujours. Donc, on est sur une agression. On est sur une agression et mon hélicoptère n'est pas parti. C'est quoi ce bazar là? Alors, ici, arrête de bus vandalisé. Oh là là, vous faites chier les gars quoi. On a besoin des ambulances aussi. Concours des ambulances est plus qu'apprécié pour la recherche d'un individu. Tiens, l'hélicoptère médical, il va servir un petit peu aussi. On l'oublie très souvent. Oh, attends, t'es là, t'es pas là. Si vous n'avez pas la référence, je peux rien pour vous. Alors là, je vais faire un petit peu en manuel pour essayer que ce soit un petit peu plus rapide. J'oublie rien. Non, j'oublie rien. Hop. Ah, y a un truc là, c'est quoi? Ok. 911, what's your emergency? Hi, I want to report an incident I just had with a homeless person. Ah. Could you please tell me your address? I'm at. Okay, so what's going on there? I've got this homeless person here. He's just lying down on the sidewalk. You need to come here and take care of him. Pourquoi? Can you approach him and check his vitals? Is he conscious and breathing? Well, I guess I can, but I'm not going to touch him. Great. Please let me know what his condition is. He's lying down and not moving. Hello? Ah, ils l'ont trouvé. Oh my god, I think he's dead. He's all purple. Hop. Sir, this man's life is in danger. You need to help him. I'm sorry, but I can't do that. I can barely stand the smell, and I'm not even close to him. Please, you guys have to take care of it. I'll wait here with him until the ambulance arrives. Bon, pas le choix. Ils l'ont trouvé. Appel à toutes les unités. L'agresseur a été retrouvé. Il est parti à pied. Il est parti bien loin. Transport médical nécessaire. Hé, l'ambulance, tu te touches ou bien? L'ambulance, il est parti trop loin. Et...
Ouais, j'ai pas trouvé à l'aéroport. Bon, on a trouvé l'individu, on a tout le monde qui est en train de sauter dessus. Voilà, un individu neutralisé. Donc, on était sur une tentative de... C'est même pas une tentative en fait, c'est une agression avec agression sexuelle. Clairement, elle l'a pas dit, mais clairement, c'est ça, on l'a tous senti, hein, on l'a tous vu. C'est clairement une agression, et surtout avec agression sexuelle dessus. On n'a clairement pas sur le même type de registre que tout à l'heure. Alors, overdose, on envoie l'ambulance. Normalement, on devrait aussi envoyer une police, bien entendu, puisque ça concerne la drogue. Tout simplement. On est comment niveau unité là-bas? Il nous faut à nouveau une ambulance. On va là-bas. On va dans un bus. Merci. Il y a un vol. Où ça, monsieur? Enfin, c'est quand? Il y a un instant, très bien. Je voudrais bien lui poser la question de l'adresse. Un 89 Jimmy Ann Drive. Ok. Hop, là c'est ma canine. Donc, toi t'arrêtes de te balader, tu retournes là-bas. Hop, et on va reprendre une unité en plus, donc on est à la recherche de voleurs. Ah, je suis perturbé par l'histoire précédente. L'appel précédent est toujours perturbant, parce que pour le coup, ils ont des très très bons acteurs, et ils ont des très très bons doubleurs qui font les appels, et c'est vrai que c'est assez perturbant. On a des appels qui sont assez perturbants, parce qu'ils sont l'air de rien vachement réalistes. Et que quand on a juste le casque sur les oreilles et qu'on se plonge un petit peu dedans comme si on y était, j'ai envie de dire. Et qu'on ouvre son empathie surtout aussi, et c'est ce qu'il ne faut pas faire dans ce métier, mais c'est ce qui compte en fait dans le jeu. Voilà, on sait tout de suite ce qui se passe et on comprend tout de suite ce qui se passe. Et donc, là voilà, je l'ai déjà eu l'appel de la femme qui se plaint de son agression. Et de l'agression sexuelle. Et quand je lui pose la question, je lui redis « Est-ce que c'est un oui ?» Et je me suis rendu compte que après, dans le débriefing, il faut pas lui demander, il faut pas insister en fait. Voilà. Bonjour. Vous venez de m'appeler. Voilà, l'appel de fesses classique. Sir, are you having an emergency? Alors ça, c'est pas mal ça. Please lock your phone and make sure you won't call 911 by accident again, okay? That way you won't take up an emergency line for more important calls. Je peux pas prendre l'ambulance. Of course, I'm sorry. Je peux pas prendre. Merci. L'ambulance, merci. L'ambulance dégage. T'es sur un effondrement de maison. Voilà. Tu laisses faire les pompiers et pouf. Là on est bon, ça c'est quoi? On ignore. Là on est bon. Ok, l'effondrement de maison est déjà... Oh, il y a du monde ski là-dedans. On est bon, il va nous falloir une ambulance en plus. Ah, ok, bah pas l'ambulance en plus. Comment ça, ignorer? J'ai ignoré la voiture volée? Bah... Oui. Il fallait. Enfin, je sais pas, j'ai la voiture, je laisse ma voiture devant chez moi, là, je reviens une heure après, la voiture a été volée. Je suis désolé, pour moi, c'est pas une urgence. Enfin, je sais pas. Là, si demain, je garde ma voiture devant chez moi et que d'une heure après, je redescends, ma voiture est volée, je vais appeler, sûrement appeler les flics, mais les flics, ils vont me dire, bah, passer au commissariat, déposer plainte. ils vont pas venir avec un hélicoptère et des voitures pour fouiller les lieux, quoi. Non, je sais pas. Là, par contre, je... Ok. Je reste très perplexe. Collision de voiture, on est bon. Piéton écrasé. Agression sexuelle. Voilà, c'est ça. C'est bien ça. Et on est à plus 11. Plus 11! La vache! Plus 11. Je crois que j'ai jamais eu autant de points en un seul appel hors mode. Précisé. Il est un petit peu étonné. La femme a été frappée et violée par l'agresseur. Voilà.
L'opérateur a convaincu la personne ayant passé l'appel de coopérer avec la police et la personne qui a passé l'appel a été contrôlée. Et aussi, et ça, il ne s'est pas mentionné, mais c'est que l'agresseur a été retrouvé. Ça s'est pas mentionné, mais on l'a vu en fait. Mais en fait, si c'est pas mentionné, parce que voilà, c'est plus 3. Donc 11 et 3. 14 points juste pour ça, j'ai envie de dire. L'agresseur a été menotté, mis en garde à vue, résolu avec succès, sans aucun souci. L'agression. Non, il est où? Le sans domicile fixe. La personne a bien passé l'appel à signaler un sans domicile fixe couché dans un lieu public. Le SDF a été. Victime d'un mal-être, était trouvé sur les lieux, il était trop tard pour lui apporter de l'aide. La personne ayant passé l'appel a refusé de donner les premiers secours au sans-domicile. La personne ayant passé l'appel a été contrôlée, le SDF a été signalé comme mort. Voilà, c'est résolu, on peut rien faire. On peut rien faire, l'overdose a été résolu avec succès et le vol. L'appelant a été victime d'un vol, point, et le vol, il a été retrouvé, ça fait 4 points, c'est quand même pas mal. Et l'appel vide, plus 2, comme d'habitude, et on finit avec l'effondrement de maison, plus 3. Du côté du résumé de ce service, pour l'épisode 99, ce 102e service, on est donc avec 22 cas résolus, 12 individus en prison, 8 amendes, 7 hospitalisations, aucun mort toujours, 14 assistances et 57 points de réputation. Ça c'est vraiment bon, vraiment. Du côté des finances, on est à 5 000 de revenus de base comme d'habitude, 30 722 de récompenses, on ajoute 8 772 d'amendes, pour 8 sur 8 amendes c'est pas trop mal, on a vu mieux. On retire 30 611 de salaire et ça nous fait un résultat total de 13 933. Du côté des membres de l'équipe maintenant, du côté de la police même, Lincoln Roberts a été promu, il a sa deuxième étoile de capitaine. Et Sally Morgan a été promu du côté des pompiers, là sa première étoile c'est ce que j'ai attribué au grade de lieutenant. La semaine prochaine donc, on aura changé d'année. La semaine prochaine donc, on sera aussi sur l'épisode 100 et je sais pas, j'ai 2-3 idées mais je sais pas trop ce qu'on va faire. Vous avez des idées, vous les balancez en dessous sans aucun souci, ou sur les réseaux sociaux, sur la page Cruz Is Gaming sur Facebook ou sur mon Twitter @BenjaminCruz, il n'y a pas de souci. Je prends toutes les idées, je ferai le tri après s'il y en a des bonnes ou des moins bonnes, mais en tout cas n'hésitez pas à balancer. Et on se retrouve donc vendredi prochain, dans l'année prochaine, pour un nouvel épisode de 9 Imperator, pour le 100e de 9 Imperator. D'ici là, vous prenez bien soin de vous et de vos proches. Ciao.